Je vais vous lire le tweet. Je nique tous les artistes du game camerounais ce matin. C'est pour ça que je sors. Je nique tout. Déjà, je nique tout. Tout avec T. Happy. Tu vois, non? Mon petit, tu as raté ton bac là devant nous tous. On a vu. Tout là, c'est avec S. Quand on parle de tout le monde. Voilà son tweet. Je nique tous les artistes camerounais du. Je nique tous les artistes du game camerounais ce matin. Happy nique tous les artistes camerounais du game. Happy, mon petit, tu n'as même pas commencé à pisser, tu niques les artistes. Toi, tu es qui? Qui te connaît? Tu vois, la baronne va te parler. Tu n'es rien. Tu vois, je sors sur toi parce que tu ne peux pas insulter toute la culture là. Tu sais, les artistes camerounais ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas te parler parce qu'ils voient que tu es rien. Mais moi, je vais te parler. Tu vois, je suis obligé de te parler. Je suis sur toi en tas comme les Ivoiriens parlent. Tu vois, non, parce que tu n'es rien. Tu niques tous les artistes camerounais. Ok. Considérons que tu niques les artistes camerounais du game. Tu niques Petit Pays. Tu niques Grâce Deka. Tu niques Mani Bella. Tu niques Katino. Tu niques Lady Ponce. Tu niques Salatiel. Tu niques Thai Boy. Tu niques Mister Léo. Mon petit, tu es arrivé quand? Tu es qui? Qui te connaît? Tu es venu, j'ai dit, c'est pas parce que tu es venu te promener en France là. Tu as mangé un peu de camembert là que ça va te perdre le cerveau. Tu n'es rien du tout. J'ai pris le temps de regarder ta discographie, ce que tu as fait. Tu vois, tu ne peux pas niquer. Tu ne peux pas niquer les artistes camerounais. Tu vois, parce qu'ils peuvent pas s'asseoir comme moi là. Mais moi là, j'ai dit, je vais m'asseoir pour toi. Tu es venu te promener ici en France, tu as fait 5 dates, pas plus. Tu es rentré. Là, 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 on n'appelle pas ça tournée européenne. On appelle ça promenade. Ce sont tes amis qui t'ont programmé. Tu n'es rien dans la culture. Tu ne peux pas insulter toute la culture. Tu insultes tes petits pays. Tu insultes Mali Bela qui a fait l'autre. Tu niques, tu te réveilles le matin, tu dis que tu niques tous les artistes camerounais du game. Tout. Considérons que tu n'as pas niqué Petit Pays. Tu n'as pas niqué tous les manibes là de l'ancienne génération. Bon, considérons que tu as niqué les nouveaux là. Tu niques Salatiel. Tu niques Mister Léo. Tu niques Stan Leno. Considérons que ce n'est pas ta génération. Venons au niveau de ta génération. Tu niques Ténor. Tu niques Minx. Mon petit, tu t'es réveillé quand? Tu niques Blanche Bailly. Tu niques même. Bon, allons au Mbolé. Parce que on va dire que non, je parle loin. Tu niques Petit Malo. Tu niques Petit Virus. Tu niques même le petit qui est arrivé là. Toi, tu es qui? Tu es arrivé quand? Mais tu es zéro. Tu es un artiste qui, regarde, on t'a accusé ici dernièrement d'avoir volé le son de Cancan Boy. Moi, j'étais défendu ici là. J'ai défendu parce que j'ai dit que ton beat était mieux que le Cancan Boy. Moi, j'étais défendu. Tu vois. Quel est cet artiste qu'on passe autant à dire qu'il a volé le son des autres? Tu ne peux pas être dans le buzz permanent. Le buzz là, on s'en fout, tu vois. Va en studio, tu montres que tu es un artiste et que tu as les couilles. Tu niques les artistes camerounais que toi tu as commencé à te réveiller quand? Tu n'es rien du tout. On m'a dit qu'il est très riche. Il a 250 millions dans son compte. Mon petit. Et Kambi Brian qui est malade là. Il avait plus que 250 millions. Il vit aux États-Unis. Hein. Il est malade là. On demande qu'on cotise. Toi là. L'agent, toi là, les mamans Guéa sont mortes là devant nous, elles ont fait le tour du monde. Toi là, tu es venu te promener ici pour 5 dates à Paris là, tu as mangé le camembert, tu es rentré là, tu n'es rien du tout. Tu vois non, faut te calmer là, faut te calmer vite fait, parce que tu n'es rien. La baronne qui te parle,
tu peux pas insulter toute la culture camerounaise et on va se taire. Parce que les artistes camerounais ne peuvent pas parler, tu vois. Ils ont pas, ils peuvent pas parler. Mais moi, là, je parle. Parce que demain, là, si tu es dehors, tu es par terre, c'est moi aussi qui va venir parler pour te relever. Donc, quand tu fuck up, je dois me lever pour te dire ça en vrai. Tu es venu ici, là. Tu sais que quand tu venais là, on voulait te boycotter. On voulait te boycotter. On a dit, faut pas laisser les enfants là. Toi là, mon petit, tu chantes quoi? On va voir ta disco, ma fille. Regarde-toi. Tu es zéro, tu vois. Faut te calmer. J'ai parlé. Les artistes ne peuvent pas parler parce que eux là, ils ont des contrats. Mais tu dis, je nique tous les artistes camerounais du game. Tu niques Petit Pays. Tu niques Longue Longue. Tu niques Grace Deka. Tu niques Mama Kati. Tu niques Lady Ponce. Tu niques même Mani Bala qui a fait les filles. Tu niques Thai Boy. Tu as commencé quand pour niquer les artistes? Tu niques tes collègues. Mon petit, tu es arrivé quand? Dans le camembert, là, t'as constipé le cerveau. Tu veux te promener ici, là. Bon, on va voir ce que tu as fait ici. Hein. Tu n'es rien du tout, tu vois. On va voir ce que tu as fait ici. On va aller sur ta page officielle pour te montrer que tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu vois. On va aller sur ta page. À Pidifoulan. Parce que, faut pas que les gens pensent que... Voici, te voici ici. Voici ta page. C'est ta page officielle. À Pidifoulan. Qu'on ne dise pas que je mens ce que je dis. On va voir ta dernière publication. Je nique tous les artistes camerounais du game. C'est écrit. On va voir ta tournée. Tu es venu ici là. Début, je crois, juin là. Mon frère, tu es au Cameroun. On appelle ça tournée européenne. Tu es venu. On n'a même pas respiré, tu es déjà rentré. Tu as fait 5 dates, pas plus. On appelle ça tournée. Tenons là, que tu niques là, parce que tu as niqué tous les artistes camerounais. Il est venu avant toi, Tenor. Il est venu avant toi. C'est-à-dire, il est venu commencer ta tournée avant toi. Tu es venu derrière lui. Tu es déjà rentré, tu manges le manioc. Il continue sa tournée. Pour te montrer que tu n'es rien du tout, tu vois. Mon petit, tu ne peux niquer personne. Il faut te calmer. Tu es venu, j'ai dit, mais vois, tournée européenne, c'est 2 mois, 3 mois qu'un artiste confirmé, reconnu, que tout le monde réclame. Il reste minimum 3 mois. C'est la baronne qui te parle. Tous les promoteurs, s'il y a 100 promoteurs en Europe et aux États-Unis, je connais 95. 5, je ne connais pas, parce que c'est les nouveaux. Tu vois, tu es venu, tu as fait 5 dates, tu t'es promené, tu es allé visiter la tour Eiffel, tu as mangé le camembert, tu es rentré. Tu es venu derrière Ténor que tu niques là. Tu vois? Lui, il est encore là. Tu es déjà rentré. Tu manges à le manioc au Cameroun. Mais Ténor est encore là. C'est pour te montrer que tu es venu te promener en Bain. Tu es venu te promener en Europe. Tu n'es pas venu faire tourner. La tournée, ce n'est pas de venir voir ses amis 1, 2, 3 dates là. Tu rentres. La tournée là. Si tu étais si demandé, si tu étais si demandé là, tu serais encore là. Parce que les gens qui sont demandés, ils restent en Europe. Tu vois. C'est pas parce que tu as pris l'avion que tu vas venir nous emmerder. Ngé, je nique les artistes, tous les artistes camerounais. Tu es né quand, mon petit? On me dit que tu dis que tu as 250 millions d'euros dans ton compte. Les Camille ont eu plus que ça. Mais ils sont malades là-bas. Il faut qu'on parle. Tu vois. Son Bahanak, l'entraîneur du Cameroun là, il gagne des millions. Quand il est tombé malade là, c'est l'État qui s'est occupé. Il avait plus que les 250 millions. Pour dire que ton petit argent là, c'est le papier, c'est rien. Mon petit, sois humble, tu vois non? Parce que tu n'es rien. C'est la baronne qui te parle. Tu ne peux pas niquer les artistes camerounais. Tu te réveilles le matin parce que tu as un son en préparation. Je me suis renseigné, tu vois. Tu as un son en préparation. Et tu veux créer le buzz autour de toi pour exister, et tu insultes tous les artistes camerounais parce que pour toi, on va donner la lumière sur toi parce que tu rentres de France
Et puis après, tu vas sortir. Je demande à tous les artistes camerounais là, ne partager aucun son de Happy quand ça sort, qui parle d'insultes. Parce que c'est ça sa stratégie. C'est quoi cet artiste qui est dans les histoires de vol de son? Quand tu es sorti ici là, avec le son de Tchap Tchap, quand Cambo est sorti pour dire que c'est toi qui a, tu es venu, tu as volé le son, tu es parti t'asseoir en studio, tu as fait vite, tu es sorti. Moi là, j'étais la première à te défendre que laisser l'enfant là, son but est bon. J'étais défendu ici là. Tu peux aller voir mes vidéos sur YouTube. J'étais défendu. On t'a encore accusé ton son avec maman là d'avoir volé le beat d'une pygmée là. Tu allais arranger avec elle. Tu as créé le buzz. Ça, c'est que l'artiste que pour sortir un son, il fait le buzz. Il veut créer le buzz autour de lui pour sortir un son. Mon petit, tu n'as pas de talent. Tu n'es pas parce que tu marches avec un djembe. Tu es zéro, tu vois. Il faut te calmer. Tu es venu te promener en France. Tu as mangé le camembert, ça a constipé ton cerveau. Maintenant là, tu parles trop. Tu ne peux pas niquer les artistes camerounais, tu vois. Tu n'es rien du tout. Je profite pour dire à tous ceux qui m'écoutent là, tu vois. Tu es venu là. On a vu où tu as joué, tu vois, non? Maman Lady sera à l'Olympia. C'est les salles où les Madonna, Michael Jackson, ils ont joué là-bas. Mon petit, tu es très fort là. On va aller là-bas. Tu vois. Donc, mon petit, tu prends ta caméra, tu poses devant toi, tu présentes tes excuses à tous les artistes camerounais. Sinon, toi et moi là, on va se marcher dessus ici là. Tu vois. Tu veux te promener, non? Moi là, je vais m'arranger pour que toi là, en Europe, là, tu n'es rien. Tu ne peux pas insulter toute la culture camerounaise. On ne t'a pas parlé. Tu niques tes grands frères. Tu t'assois le matin. Tu dis, je nique tous les artistes camerounais du game. Tu niques Petit Pays. Tu niques Grace Deka. Tu niques même Mani Bella. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vous dérange? C'est le talent, même si le talent, même parfois, dans le talent, on réfléchit un peu. Tu vois? Donc moi, il te parle là. Même tes collègues, considérons que tu as parlé à tes collègues Mbolé. Tu niques Petit Malo? Petit Malo, moi, je connais le Mbolé par rapport à Petit Malo et on ne te connaissait pas, mon petit. C'est parce que dans la vie, il y a les chances, tu vois, non? Ronaldo là et Messi là, il y a les gens qui jouent mieux que Ronaldo et Messi. Mais il y a ce qu'on appelle la chance, le don. Mais quand on regarde le Mbolé là, c'est Petit Malo. Les petits vues qui ont amené le Mbolé, on ne te connaissait pas. Tu as seulement eu la chance. Donc tu ne peux pas venir te t'asseoir là pour parler mal aux artistes camerounais. Que tu les niques. Tu es qui pour niquer les artistes camerounais? On va lire ton tweet. On passe sur ta page. Hein? Tu es un petit plaisantin. Voici ta page. Sur ta page là, il y a 1463 commentaires. Tu as enlevé même ta photo. Parce que tu as eu honte. Va lire les commentaires. Parce que dans la vie, hein, il faut lire les commentaires. On t'a bien insulté dedans. On t'a bien lavé. On t'a bien lavé. Voici le tweet original. Petit plaisantin là. Te prends pour qui? Voici ton tweet officiel. Repris par Bimster. Il y avait la photo. Tu as enlevé la photo, tu as laissé le tweet. Parce que tu es très grand. Voilà ça. Je nique tous les artistes du game camerounais ce matin. Aïe, mon petit. Y a pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, puis des foulards, tu te prends pour qui? Tu niques tous les artistes camerounais du game. Tu niques les grands, les vieux. Même les gens de ta génération, tu ne vaux pas beaucoup. Tu es venu, je dis bien, prenons tes noms qui est de ta génération, parce qu'on ne va pas aller loin. Quand tu venais faire la tournée, tu es venu derrière lui. Il avait commencé sa tournée. Tu es dans le Cameroun, tu manges le manioc, il est toujours en tournée. Ça veut dire que personne ne te calcule en bain, tu vois.
Donc, c'est pas parce que tu es venu manger le camembert là. Hein? Tu es venu un peu sur RFI, on t'a parlé un peu. Tu crois que tu es arrivé. Voici ta tournée ici. On va voir ta tournée. Mbeng. Te voici. Voici ta tournée. Que tu as annoncée. On va voir. Tu es déjà de retour au Cameroun. Les vrais artistes sont quand tu es tourné. Toi là, vive le tour, c'était incroyable. La vidéo est où? Tu étais à tout, tu as joué. Voilà. Tu as tweeté que vive le tour, c'était incroyable. Où est la vidéo? Où est la vidéo où c'était incroyable? Quand un artiste dit que j'étais à tout, c'était incroyable. Il y a les vidéos. Voici ton tweet. La vidéo est où? Ville de Tours. Attendez. J'ai appuyé des fous là. Hein? Ville de Tours, c'était incroyable. La vidéo est où? Tu sens. Où? Mon petit, tu es venu te promener ici là. Ville de Tours, c'était incroyable. Aucune vidéo. Niac. Aucune photo. Nien. On t'a vu arriver, on n'a pas vu la cérémonie. Attendez. Je repars un peu sur la page. Ville le tour, c'était incroyable. Voilà ça. La vidéo est où? Les photos sont où? Personne n'a vu. Ville le tour, ce soir, spectacle. T'as même été annoncé. Kikok. On n'a rien vu. Yo, un showcase. On va montrer. Ça, c'est quand tu étais à RFI. On va revenir dessus. Te voici là. Juste avant RFI. Tu as tombé les affaires noires là. On a vu. Tu dis que je suis à Luxembourg. Te voici. Tu es à Luxembourg. On n'a aucune image de Luxembourg. Quiconque. Te voici ici là. Où sont... Te voici à Luxembourg. Tu pars jouer à Luxembourg. Les images sont où? Parce que quand vous voulez vous gonfler, soyez vrai. Voici, te voici à Luxembourg, tu es arrivé. Les images sont où? De ton spectacle. Voilà ça. Tu es arrivé. Donc tu étais comme nous là, les clients. Il n'y avait pas quelqu'un. Mon petit, faut te calmer. Te voici. Appuie des foulanes le 25 juin. Te voici, on fait un peu de... ta publicité. Tu as passé le temps en ben à faire les lives. Ok? Te voici, tu arrives à Milouz. Il y a même une petite fille qui t'amène les fleurs. Bon, les images de la cérémonie sont où? Parce que quand on te reçoit comme ça, là, après derrière, il faut montrer ce que tu as fait. Il n'y a rien. Rien. Bon, maintenant, on va repartir sur ton interview à RFI, où tu insultes tes collègues. Minute 32, 40. C'est lui? 32. Avec éléphant avec quelques titres. On va t'écouter. Le cas de Happy. Non, on t'a pas lâché. On va te soumettre à un entretien. Et voilà. Après, je vais répondre. Happy, Happy, c'est toi. Alors, je vais te mettre en face de quelques problématiques. Quoi? Si tu es d'accord avec ça, tu non, dis Happy. Non, tu diras, oui, bah attends. Mais... Tu diras Happy, je suis Happy. Ouais. Si tu n'es pas... Happy, tu es sur une télé. Si tu es sur une radio, tu ne comprends même pas. Calme-toi. On va t'écouter et on va répondre ensemble. Quand tu dis pas Happy, et okay, tu peux t'expliquer. D'accord. D'accord, d'accord. Attention. Si une maison de disques te propose de produire et de chanter un album de musique métal. Happy. Ah ouais. Toi, tu es prêt à aller sur d'autres terrains musicaux? Non, mais c'est bien. On ne sait jamais parce que. T'as raison. C'est déjà avant. T'es un artiste? Ouais, je suis un artiste. Et avant de faire la musique, j'ai une vie. Donc c'est son avenir qu'on prépare, on ne sait jamais, mais
dans le bon sens, dans la loyauté, dans l'honnêteté, dans la fidélité, quoi. J'aime ce point-là. Happy, tu es sur RFI, couleur tropicale. On dit que si un groupe métal demande de reprendre tes sons, tu dis que tu es comme Happy. Métal là, c'est les gars qui sont en blouson noir là, qui sautent partout là. Peut-être que tu n'as pas compris bien les choses. Mon frère, quand on ne comprend pas, on dit que c'est passé. Tu réponds que, oh, si c'est que un groupe métal reprend mon son, je suis content, je vais sauter, je vais saisir. Mon frère, tu n'as pas bien compris. Un groupe métal, tu vois, non, ça ne te gère pas. Et on a posé une simple question. Derrière même les problèmes de compréhension, tu ne comprends pas. Et tu niques les artistes camerounais. Tu ne comprends même pas le français. Mon petit, il faut te calmer, tu vois. On va te parler aujourd'hui là. Si on te dit que tu n'as rien apporté, on me bolé. Non, on ne peut pas me dire ça. Non, il faut dire pas Happy. Ah, pas Happy, ok. Alors, on a du côté. On dit que si on dit que tu n'as rien apporté au Mbolé, tu dis qu'on ne peut pas me dire ça. Moi, je dis que tu n'as rien apporté au Mbolé. Oui, tu n'as rien. Tu as fait ce que les petits malots ont fait avant. Les petits virus. Je connais tous les grands artistes Mbolé. Tu n'as rien fait. Tu es venu surfer sur ce qu'ils ont fait. Et tu as eu ce qu'on appelle la chance, le temps, comme on dit au quartier. Tu vois, non? Parce que beaucoup de gens peuvent jouer au football, c'est pas tout le monde qui arrive. Tu as eu cette chance-là. Mon petit, repose-toi par terre. Tu n'es rien. Tu vois, non? Tu n'es rien du tout. Tu ne niques personne. Voici ton interview. Même petit français, là, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Au lieu de niquer tous les artistes camerounais, tu te mets au français pour bien répondre aux interviews. On te forme. On va te reformer pour répondre aux interviews. On te demande que si on dit que tu n'as rien à potomboler, moi, je dis que tu n'as rien à potomboler. Tu as copié ce que les autres petits ont fait. Tu as eu ce qu'on appelle un temps au quartier. La chance. Parce que quand je te vois sauter, là, je vois tes spectacles, tu n'es pas charismatique. Tu sautes partout là, avec ton djembe accroché derrière ton dos là, qui peut même te renverser là. Tu n'es rien. Donc, ce n'est pas parce qu'on te soutient que tu penses que tu es arrivé. Tu te réveilles le matin, je nique tous les artistes camerounais. Mais tu as commencé où? Tu niques les qui? Les gens qui ont composé des sons, des musiciens. Tu niques tous les artistes camerounais du game. Mon petit, tu niques le petit Malox là. Si Malox là, il te parle, toi tu peux parler. Toi là, si Malox te regarde dans les yeux là, tu ne vas pas pisser. Faut te calmer. Faut te calmer. On parle le français, tu comprends même pas. Tu réponds à toi à travers là. On est en train de te parler là. On dit que tu n'as rien apporté Mbolé. Écoute comment tu réponds. Tu es trop arrogant. Donc c'est vrai que tu as apporté beaucoup. Mais ouais. Si tes détracteurs te disaient ça, que répondrais-tu donc? Bon, je lui ai dit, on ne peut pas dire ça parce que j'ai beaucoup apporté et je travaille très, je travaille énormément, je travaille beaucoup et tout le monde dans mon pays. Je dis, tu travailles quoi? Qui te connaît? Ngue, je travaille beaucoup, je travaille quoi? Mon petit, tu passes le temps à dire, on dit que tu voles les sons de tes collègues. Tous les sons que tu sors là, tout le monde t'accuse de vol, de plagiat. Tu vois, non? Tout le monde t'accuse de vol et de plagiat. Tu travailles où? Ngue, je travaille beaucoup, vraiment. Quelle arrogance! Faut te calmer. Tu connais même pas, mon petit, va à l'école, tu apprends à t'exprimer devant les médias et puis on va avancer. Hein? Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu es là, tu portes un djembe. Tu es là petit comme ça, là, tu sautes même le djembe, tu te renverses derrière ton dos, là, tu peux même pas bouger un genre. Ngue, je suis, je ne vais rien pas parler de djembe, j'ai beaucoup apporté un bolet, calme-toi, mon petit, tu es rien. Si, parce que tu es venu te promener à Paris, là, le camembé a obstrué ton cerveau, là, remets-toi par terre, tu vois, c'est la baronne qui te parle. Parce que, tu es venu te promener ici, là. On t'a regardé. Mais ce que tu as fait ce matin, là,
il y a deux jours, il faut aller effacer tes machins là. Tu t'assois, tu demandes pardon à tes collègues. Tu peux pas t'asseoir là. Tout petit. Tu dis que tu niques tous les artistes camerounais du game. Donc tu niques Mani Bla qui t'a fait faire 7 millions. Tu penses qu'on a regardé le clip là parce que c'est toi? Tu n'es rien du tout. On a regardé parce que Mani Bla est connu. Tu as compris, non? Tu as compris? Il faut te calmer. Tout le monde dans mon pays a... Attends. Ce sont fait les paroles et vous y faites la musique. Oui, mais en fait, tu vois, moi j'avais des cassettes. Ouais. Donc, je voulais mettre ce truc. Et maintenant, quand je me fais de tout le monde. Vous êtes une valeur sûre du concept. Vraiment, la rinquette, oh là là. Attendez. Tiens, je peux. tu es un fervent pour que le Cameroun reste. Attendez. Actuellement. Happy. Bon, on va reprendre. Alors, je vais te mettre en face de quelques problématiques. Quoi? Écoutez, les réponses d'un artiste. Un zéro comme ça. Happy. La tête est pleine de tego. D'accord, tu dis pas happy. Et tu peux t'expliquer. D'accord. Voilà. D'accord. Attention. Ça, il faut bien m'expliquer ça. Une maison de disques te propose de produire et de chanter un album de musique métal. Happy. Ah ouais. Toi, t'es prêt à aller sur d'autres terrains musicaux? Non, bon, mais c'est même Cody, c'est un supprimé. Cody, c'est étonné. Déjà, t'es un artiste? Ouais, je suis un artiste. Et avant de faire la musique, c'est une vie. Donc, c'est son avenir qu'on prépare. On ne sait jamais, mais dans le bon sens, dans la loyauté, dans l'honnêteté, dans la fidélité, quoi. J'aime ce travail. Si on te dit que tu n'as rien apporté, on me bolait. Non, on peut pas me dire ça. Non, mais là, faut dire pas happy. Ah, pas happy, ok. Même Claudie, ça lui dit que mon frère, tu as pas compris ce qu'on te dit. On a dit de dire happy ou pas happy. Donc, si on dit quelque chose qui ne t'arrange pas, tu dis pas happy. Il dit que non, comment cacher? Comment est foulé là-bas? On va me dire ça. On dit ça, pian, tu n'as rien apporté au bolet. Tu as copié ce que les petits, les autres ont développé derrière toi. Tu as eu seulement la chance. On dit ça, pian, et puis ça ne change pas. Tu as apporté quoi au bolet? En dehors de te promener avec ton djembe là, tu as apporté quoi? Tu as apporté quoi? Tu n'as rien apporté. Tu n'as rien apporté. En dehors de te promener sur le djembe, j'ai dit ça, pian. Tu vois non? Tu n'as rien apporté. Quand tu portes le djembe qui peut te renverser là, tu as apporté quoi? Hein? Claudie, ça te pose des questions en français, tu ne peux même pas comprendre. Tu es là mélangé dans ta tête là. Ngé, vraiment happy. On pose la question que tu ne comprends pas. Happy ou non happy. Là, tu n'as même pas compris ça. Tu n'as même pas compris ça. Claudie, ça t'a amené sur un terrain qui n'est pas le tien. On t'a amené sur un terrain, tu n'es pas concerné. On va t'écouter. Zéro comme ça, là. Donc, c'est vrai que tu as apporté beaucoup, mais ouais. Si tes détracteurs te disaient ça, que répondrais-tu donc? Bon, je dis, on peut pas dire ça parce que j'ai beaucoup apporté et je travaille très, je travaille énormément, je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup et tout le monde dans mon pays. Happy, personne n'a demandé si tu travailles beaucoup ou tu ne travailles pas beaucoup. On a demandé qu'un. Je répète la question comme au quartier, parce que tu parles comme au quartier. Laissons Claudie ça où il est. Je repose la question comme au quartier, comme mon petit. Qu'est-ce que tu as apporté au Mbolé? Que, oh, si on dit ça, ce n'est pas bon. Mon petit, quand on a la radio là, on ne parle pas comme si on était Fulan. Comme tu es Fulan là. On parle, tu n'es pas Fulan. Tu es dans un média écouté mondialement. Donc on change même. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le développement d'un artiste. On ne parle pas comme si on était au quartier, on mangeait les beignets. Non, 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 non. Parce que ce que tu parles là, il y a des millions de personnes qui t'écoutent. Des millions, tu vois. Donc, au lieu de parler comme au quartier, là, tu te redéveloppes, tu parles proprement. Parce que quand on te donne la chance d'avoir ce genre de médias, c'est pour que tu profites pour vendre ton art. On te pose des questions par rapport à Mbolé. Tu ne peux pas parler de ta vie, de ce que tu as fait. Mon frère, il y a quoi? Tu n'as pas compris quoi? Faut aller à l'école, tu n'as pas compris? On va t'écouter. Tu es un zéro. Et c'est toi qui niques tous les artistes camerounais. Je nique les artistes camerounais. Mon petit.
Il y a plein d'artistes camerounais là qui ont le bac, qui sont allés à l'école. C'est parce qu'ils sont dans la musique. Tu ne peux même pas les parler. Il y a les artistes que moi je connais qui ont fait des écoles de musique. Tu te lèves le matin parce que tu t'es promené aux Champs-Élysées là. Tu as mangé un peu le camembert, ça a changé le goût dans ta bouche. Ça a masturbé ton cerveau. Ngué, je nique les artistes camerounais. Tu es qui pour niquer les artistes camerounais? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment? Parce que tu t'es assis un peu, l'aide de la France t'a frappé. Mon petit, calme-toi. Hein. Il y a eu beaucoup plus que toi. Tu vois, non? Tu parles encore mal là. On va te parler. Et puis ça ne chauffe pas. Donc, il faut te calmer. Le banga que tu fumes là, repose ça. Tu vois, non? Si tu veux mal parler là, on va te parler. On va s'arranger pour que Mbeng là soit dur pour toi. Je te parle là avec force et autorité et tu le sais. Tu ne parles pas beaucoup. Tu ne peux pas insulter toute la culture et tu viens te promener ici là. Il faut te calmer. Tout le monde dans mon pays actuellement et depuis que je chante, c'est que c'est happy. Tout le monde a les yeux rivés derrière moi. Dès qu'ils sont du fin semaine. Personne n'a les yeux rivés derrière toi. Tu rêves beaucoup, mon petit. Dès que je sors, dès que je me promène, le Cameroun parle de moi. Tu es qui? Mon frère, qui t'a menti? Personne ne t'a menti. Que dès que tu pisses là, aucun Camerounais sait que tu pisses. Personne ne te gère. Ne rêve pas, tu vois, non? Le rêve là, il faut te calmer maintenant. Tu redéposes ça par terre. Quand je sors, quand je pisse, tout le monde sait que j'ai pissé. Tu es qui? Tu dépasses qui? Tu vaux qui? Qui t'a menti? Qui gère Happy? Happy c'est qui? Tu es venu sur un Europe, tu as fait 5 dates. 5. J'ai bien calculé. Une tournée européenne. Tu sais qui peut dire que s'il pisse, on remarque. Excuse-moi, c'est pas pour te manquer de respect. Tenor est là depuis 3 mois. Tu es venu avant. Si Tenor pisse, tout le monde sait qu'il a pissé. C'est ça qu'on appelle une star. Le petit, Happy, calme-toi. Tu vois, non? Tu es venu ici, là. Tu as fait 5 dates. Une bonne partie, tu es dans les petits trucs. Je ne veux pas montrer pour ne pas t'humilier, tu vois. Quand on dit tournée européenne, là, c'est 3 mois. Minimum 2 mois. On discute. Moi, là, s'il y a 100 promoteurs en Europe, je connais 90. 10, je ne connais pas. Tu es venu là, tu t'es promené là. 5 dates, tu es là rentré. Tu es en train de manger le manioc. Tenor continue de tourner. De ta génération, de ton game, que tu as niqué. Tu as niqué Tenor, c'est de ta génération. Il est encore là. Il finit, je crois, fin ou début septembre. Tourner. C'est ça qu'on appelle tournée européenne. Tu es venu ici là, tu t'es promené ici, tu es filmé un peu. Tu as fait comme Grand Barak. Grand Barak était ici là. Grand Barak était ici. Donc même toi, tu es au niveau de Grand Barak. J'ai dit ça et puis ça ne chauffe pas. Grand Barak s'est promené en France. Hein. Il a fait la Belgique, il a fait la Suisse. Je me rappelle, Grand Barak a fait la Belgique, la Suisse, la France, le Luxembourg et il est rentré. Donc ton niveau là, c'est Grand Barak. Quand on dit tournée européenne là, ce qu'on a fait 3, 4, 5, 6 mois. Tu es venu trouver Tenor. Tu es venu, Tenor avait commencé sa tournée. C'est de ton, c'est ton niveau. C'est ton game. Tu es venu, tu l'as trouvé. Il avait commencé sa tournée. Tu es rentré, le petit continue sa tournée. Tu es rentré, tu manges le manioc depuis près de 2 semaines. Le petit continue sa tournée. Ça veut dire que personne ne te calcule, tu vois. Tu n'es rien. Tu es au niveau de Grand Barak. Là, parce que tu as fait un peu de son, tout ça. Grand Barak était ici, là. Grand Barak allait te filmer à la Tour Eiffel. Le vent a même failli le renverser. Grand Barak n'a pas eu la chance parce qu'il est venu en hiver. Il faisait froid. Donc Grand Barak avait le chapeau de l'hiver, là. Posé sur lui que, me voici donc en France. Vraiment, vous voyez la Tour Eiffel, c'est ici derrière moi. Et tout est doux. Vraiment, épreuve encore dit que quoi? Mais voici donc en France. Grand Barak était ici là. C'est comme ça. Attends, calme-toi, mon petit. Grand Barak était ici.
Après, il est venu ici en Suisse où je vis. Il s'est promené. Il a fait même les anniversaires, les baptêmes. Dans Baraka, même chercher même les divorces. Ça dit que. Oui, calme-toi, mon petit. Attends, pose ça un peu ici. Grand Baraka, même chercher où les gens divorçaient pour faire la fête. C'est-à-dire que si les gens divorcent, on fait même une petite fête là qui peut être invitée. Pour quand même, qui est les images. D'accord? Il n'y a pas eu. Il a fait la Suisse, la France. Il est parti s'incruster à l'anniversaire de Président Mout. Moi, il dit ça. Président, excuse-moi. Et moi, il dit ça. Bien que ça ne chauffe pas. Je sais que tu vas m'appeler la baronne. Ouais, laisse-moi. J'ai parlé. Ouais, parle. Il est parti s'incruster au marais, à l'anniversaire pour qu'on voit quand même quelques images qu'il avait les gens. Il est parti se promener en Belgique. Il est parti au Luxembourg. La même chose, hein. Il est parti en Allemagne, il est revenu. Et puis, il est rentré. Mon petit. On appelle ça tourner. Donc, tu as fini tout ça, là. Tu es rentré et tu viens insulter les gens. Toi, là, tu as fait le même chemin que Grand Barak qui est au Cameroun, là. Tu as venu nous insulter. Mon petit. Que je nique tous les artistes camerounais parce que le camembert, le petit camembert que tu as mangé, Champs-Élysées, là, ça t'a obstrué le cerveau. Génique, tu es venu trouver tes collègues de ta génération comme les ténors. Ils avaient commencé la tournée. Tu es rentré manger le manioc. Ils ont continué. Tu es rentré. Si les promoteurs ne t'appellent pas, je dis que s'il y a 100 promoteurs, je connais 99. Personne ne t'a appelé. Ça veut dire que tu n'es rien. Il faut te calmer. C'est tout. Il ne faut pas nous déranger. Grand Barak, j'ai récordé ta maman. Papa, il t'avait dit qu'il fallait faire la soudure. Il t'avait dit ça que le bandit de comment on appelle là, Stifa là, il te déroute. Il t'avait dit ça. J'ai parlé ici là, on m'a insulté fatigué. Il dit que laissez le vieux là tranquille. J'ai dit que laissez le vieux père là tranquille. Ce n'est pas sa place dans la musique. Que Grand Barak fait ta soudure et tout, 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 tout. Bon, moi je suis content parce que grâce à ça, quand Grand Barak est chaud, il peut avoir les belles filles et tout, tout. Grand Barak. Mon père, non, mon grand-père, parce qu'il dit que père, là, tu es là, j'ai un peu. Mon grand-père, tu as mon soutien, tu vois, non? Tu es tombé, tu as compris. Donc, il ne faut pas que vous pensiez que je n'aime pas le vieux, là. Je l'aime. Tu bon, voilà. Voilà, on va t'écouter, ton gars. Bon, mais moi, c'est toujours. Tu serais heureux d'être papa? Très bien. Est-ce qu'entre temps, maintenant que tu es installé au pays, as-tu bon, alors on va avancer un peu. Additionnel. D'ailleurs, pour ça que. Mais oui, toujours, ça c'est tout. Mais parce que c'est déjà avant. T'es un artiste? Ouais, je suis un artiste. Et avant de faire la musique, c'est une vie. Donc c'est son avenir qu'on prépare, on ne sait jamais. Bon, on va réécouter. Vous écoutez son interview. Je voudrais que vous écoutez parce que c'est très important. J'arrive à rentrer et tout. Je suis désolé, Grand Barak, mon père. Chez toi, alors, je vais te. Happy, te mettre en... il faut aller apprendre le français, mon petit. Les interviews sont très importantes. On va t'écouter. Parce que les gens ont écouté, ils n'ont pas entendu. Moi, je vais les faire entendre ton interview. Parce que tu es arrogant, suffisant. Arriviste, montre que tu es grand. Tu n'es rien. Mon petit, tu es arrivé quand? Il faut être humble. Dans la musique, on ne parle pas comme ça aux gens. On va parler. Passe de quelques problématiques. Quoi? Si tu es d'accord avec ça, tu non, dis je suis happy. D'accord. Non, tu diras. Oui, bah, attends. Bon, on va commencer. Tu diras happy. Je suis happy. Ouais. Si tu n'es pas d'accord, tu dis pas happy. Et okay. Tu peux t'expliquer. D'accord. D'accord? Attention. Si une maison de disques te propose de produire et de chanter un album de musique métal. Happy. Ah ouais. Toi, t'es prêt à aller sur d'autres terrains musicaux? Non, bah, on sait jamais parce que c'est déjà avant. T'es un artiste? Ouais, je suis un artiste. Et avant de faire la musique, c'est une vie. Donc, c'est son avenir qu'on prépare. On ne sait jamais, mais dans le bon sens, dans la loyauté, dans l'honnêteté, dans la fidélité, quoi. J'aime ce terme. Voilà. Si on te dit que tu n'as rien apporté, ouais. On me bolé. Non,
Non, on ne peut pas me dire ça. Non, les gars, ne regarde pas Happy. Ah, pas Happy, ok. On a dit, n'est pas dit Happy. Tu peux t'expliquer. Donc, c'est vrai que tu as apporté beaucoup, mais ouais. Si on te dit, si tes détracteurs te disaient ça, que répondrais-tu donc? Bon, je dis, on ne peut pas dire ça parce que j'ai beaucoup apporté et je travaille très, je travaille énormément, je travaille beaucoup. Et tout le monde dans mon pays, actuellement, et depuis que je chante, c'est que c'est Happy. Tout le monde a les yeux rivés derrière moi. Dès qu'elle sort, il fait ce même petit truc. Oh, le petit c'est à faire quand le petit c'est à faire quand. C'est comme ça que moi aussi, les pranks. Ok, le petit c'est vraiment bon. Mais c'est pas la concurrence, c'est rien. Mais c'est, là, c'est moi, c'est mon instant, moi. Si on t'annonce que le Cameroun ne sera plus. Écoutez comment il est arrogant, suffisant. Gay, tout le monde parle de Happy, au quartier, au ceci. Happy. Qui t'a menti, mon petit? Qui t'a menti? Ngé, tout le monde parle de toi. Personne ne parle de toi. Tu rêves. Ne vois pas les réseaux sociaux là. Personne ne te gère. Tu rêves beaucoup. Tu vois. Que quand je sors, ouais, le petit Céda fait si, le petit Céda fait quoi? Qui t'a menti? Qui t'a menti, mon petit? Oh, faut te calmer. Faut te calmer que les gens ont les yeux rivés. Qui a les yeux rivés sur toi? Qui te gère? On va laisser les grands artistes pour te gérer. Donc, on va laisser petit pays pour te gérer, toi, là. Mon petit, tu rêves beaucoup. Donc, ton petit Djemé que tu promènes derrière ton dos, là, on va te gérer, quoi. Moi, là, la baronne, je viens au Cameroun, là, tu n'es rien pour moi. Je te dis ça, piang, puis ça ne chauffe pas. Oui. Moi, là, la baronne ne peut pas venir au Cameroun et chercher Happy. Oui, oui, jamais. Tu n'es rien. Oui, je te dis ça. Tu n'es rien. Moi, là, je viens au Cameroun, là, me promener. Tu es le dernier, même que s'il m'invite, même. Tu vas me dire que Tantine, tu es où je viens. Donc, tu vas t'asseoir, là, tu prends ton téléphone, tu présentes tes excuses à tes frères, artistes, tes collègues, à qui tu as niqué. Tu vois. Tu les as niqués. Moi, je suis sûr, tu es venu ici en Europe, je t'ai parlé. Tu étais à Genève, on m'a appelé pour venir à Genève te voir. Bois de Belle, c'est mon ami, c'est ma personne. Elle m'a appelé. Elle m'a envoyé, pardon, ton affiche. Tu vois, je pouvais venir te soutenir. Mais tu es qui? Tu es qui? Tu es rien. Tu es rien, mon petit. Tu viens insulter toute la culture camerounaise. Que tu niques tous les artistes camerounais. Tu es arrivé quand? Parce que tu es arrivé à Genève, tu as vu les Nations Unies. Faut te calmer. Un est indivisible, mais qu'il y aura deux Camerounes. Toi, je peux... Parapi. Tu es un fervent pour que le Cameroun reste un et indivisible. Mais oui, toujours, ça c'est toujours. Évidemment. Si Gims, voire Jay-Z, ouais. Si l'un des deux reprenait un de tes titres, Tchapeu, par exemple, sans mettre ton nom au crédit et sans déclarer que c'est ta chanson, comme Michael Jackson l'a fait avec Manu Dibango. Happy. Ah. Ouais. Happy. Parce que c'est pas, bon, ce sont des grands artistes, ce sont des grands stars, mais... On respecte la musique de tout un chacun. Même s'ils te volent? Ouais, là, ils me volent. Après, tu enverras tes avocats. Je fais, voilà, c'est honnête. Comme soit je gagne, soit je perds, mais j'aurais déjà fait ce que je dois faire. C'est ça, c'est simple. Si une femme rencontrée le premier soir te dit. On lui dit que si on vole son sang. Oh, le français est difficile. Hein. Happy, au lieu de niquer tous les artistes camerounais là. Va apprendre à comprendre le français. Parce que si tu es dans les grands médias, là, il faut comprendre les questions qu'on te pose. On dit que si les Jay-Z et tout reprennent ton son là, qu'est-ce que tu as dit? Tu sais ce que tu as dit? Tu t'es mélangé les pincettes jusqu'à demain. Tu as dit, oui, je serai content. Tu dis que tu es happy. Mais derrière, tu dis que il faut respecter les artistes, il faut respecter leur œuvre. Ça veut dire que au même moment que tu dis que tu vas défendre ton œuf, tu dis que tu es d'accord qu'ils prennent. Ça veut dire que tu ne comprends même pas la question. Tu vois, mon petit, va te former. Au lieu de niquer les artistes camerounais,
Forme-toi intellectuellement. Si Jésus prend ton son là, c'est des millions. Ça veut dire que tu restes calme. Tu dis, si c'est mon œuvre, si c'est l'œuvre de l'esprit que j'ai développée comme Zangalewa, que Beyoncé a repris, je laisse mes avocats faire le travail et on approche et puis on voit. C'est l'œuvre de ton esprit. Au même moment, tu dis que oui, c'est bien. Mais au moment, tu dis que vraiment que les artistes... C'est-à-dire que tu es mélangé dans une interview. On sent que tu n'es pas préparé aux grandes questions. Tu n'es pas préparé pour être sur les grands plateaux. Tu n'es pas préparé. Donc, je profite pour interpeller tes managers pour qu'ils fassent le travail. Parce que tu es nul en interview. Je te dis ça. Donc, avant de venir t'asseoir sur ta page Facebook officielle pour niquer tous les artistes camerounais, il faut te préparer pour bien répondre aux interviews. Elle est enceinte. Une femme reprend la question aussi. Ça l'a tellement bouleversé. C'est quoi le truc? Si une femme que tu as rencontrée le premier soir après un concert, par exemple, tu vois, je sais pas moi. Après un concert. Puisque tu es en tournée. Happy? Ouais. Tu serais heureux d'être papa? Très très heureux. Parce que tout le monde a grogné. Le gars dit que. Il rencontre une femme. Après un concert, Imbinda, elle vient lui dire qu'elle est enceinte, elle est enceinte de lui, il sera happy. Happy, on peut être bête comme ça là. On peut être mou comme ça. Donc toi là, tu es prêt à accepter que chaque femme que tu rencontres dehors vient te dire que tu es... C'est-à-dire qu'on comprend que tu ne comprends même pas l'interview. Tu es hors de l'interview. Tu ne comprends même pas la question. Claudia demande qu'une femme d'une soirée après un concert, tu la rencontres. Elle dit qu'elle est enceinte de toi. Tu vas accepter. Tu dis que tu es happy. Hé, hey, mon frère, si tu vas accueillir même la Chine chez toi, voilà, bilai, talai. On sent que tu n'es pas préparé pour les grandes interviews. Tu es nul jusqu'à demain. Si tout le monde doit se marier. Tu dis que tout le monde doit se marier. Il y a la famille. Donc c'est ça. Mais si elles sont 10, bon. Non. Même la fille qui est à côté est choquée. Quelqu'un comme moi, il cherche ma vie, c'est tout. Ok. Ouais. Mais hey, ça marche. T'es vraiment happy. Pas de problème. Laurent, justement, happy, en parlant de ça, vous êtes une valeur sûre du concept que l'on appelle le mbolé au Cameroun. Ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on vous appelle l'étoile montante du mbolé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît ce concept, ce que c'est déjà, d'où il vient et comment est-ce que vous en êtes inspiré? Bon, déjà, mon inspiration, disons, moi je chante. Moi j'ai grandi dans la musique d'abord. Quand je dis dans la musique, ça veut dire, j'ai pas grandi en ville, j'ai grandi au village, à l'internat où ma grand-mère me préparait pour les internes. Donc moi j'étais le petit que les internes envoyaient acheter le poisson. Et j'étais le chouchou des prêtres et des sœurs, quoi, au cholestol d'Akono. D'accord. Donc, du coup, il y avait la fanfare, je sais bien jouer à la batterie, à la trompette aussi. Et je n'aime pas la trompette, au trombone aussi, un peu, pas vraiment. Et j'ai grandi dans ça, j'ai grandi. Et maintenant, quand je décide que, merde, je fais même quoi ici, là, alors que j'ai ma... j'ai une famille en ville. On lui demande qu'un, le concept Mbolé est né de quoi? Tu peux dire que c'est un concept qui est né des animations de deuil, de machin, de si. Il peut nous expliquer qu'il a grandi à Akono. Akono est parti comme ça, et puis il faisait les deuils, et puis il était chez son oncle, et puis c'est sa tante. Mon petit, on peut être Isougoulou comme ça. On dit ça Isougoulou. Petit interview là, tu es nul comme ça là, jusqu'à demain. On demande où est né le concept Mbolé. Tu as d'abord raconté toute ta vie, comment tu es parti du village pour venir à Yaoundé, te promener. Tu as rencontré ton oncle, ta tante, tes cousins, tes cousines. Tu es parti animer les deuils, les machins. Qui t'a demandé ça? Parle du concept Mbolé. Ta mère ne pouvait pas payer la chambre. Elle dormait à Yaoundé, la chambre de 10 000 a dépassé à payer. Qui t'a demandé si elle payait la chambre de 10 000? On a demandé qu'un Mbolé, le concept,
le concept Mbolé, qui est un rythme sordou. Tu racontes, c'est tout. Qui t'a demandé si ta mère pouvait payer sa chambre? Qui t'a demandé ça? Il faut fermer le petit là. Hein? Qui t'a demandé si ta mère pouvait louer une chambre de 10 000? Qui t'a demandé où tu vivais? Qui t'a demandé où tu habitais? On a dit que le Mbolé sort d'où? Ça a commencé comment? Ça sort d'où? Tu as nous a... Moi-même là, ta vie là, je ne voulais pas savoir. Mais toi-même, tu nous as développé ta vie. Mon petit, faut te calmer. Tu pars du village pour venir à Yaoundé nous emmerder. Te voici en train de raconter à Claudicia comment ta mère ne pouvait pas payer. Qui a demandé si ta mère pouvait payer la chambre de 10 000 ou pas 10 000? Tu veux nous faire pitié? Qui t'a demandé? Faut te calmer. Faut te calmer, mon petit. Que hein, ma mère était à Douala et Yaoundé. Même la chambre de 10 000 ne pouvait pas payer. On a dit que hein, le concept Mbolé, ça parle de quoi? Ça sort d'où? C'est quoi le rythme? Ça véhicule quoi? On parle du son, du rythme, du concept, de la musique. On n'a pas demandé où tu as grandi, où tu viens, où tu vis, si ta mère pouvait payer la chambre, si elle souffrait, si ça ne donnait pas. Ça là, on s'en bat les couilles. Personne ne veut savoir. On demande le rythme que tu fais là. Ça vient d'où? C'est tout. Tu viens nous raconter ta vie. Qui t'a demandé? Ah mon frère, on peut te sougoulou comme ça. On peut te bête comme ça là. Faut te calmer. Ça c'est la vérité. Donc, je viens donc à Yaoundé. Oui. Je viens selon comme ça. Regarde le quartier. Dit que... Oui, il est sur RFA. Il dit que je viens donc à Yaoundé, à Efoulan. J'allais au quartier. J'allais au quartier, le quartier. Regarde, Oh, mon petit, on parle ça. Quand on est dans les grands médias, on va à l'essentiel. Je profite pour demander à ton équipe de te former. Tu vois, non? De te former. De parler de l'essentiel. Quand on a la chance d'être dans des grandes émissions, on parle de l'essentiel. On se vend. On ne veut pas savoir où tu as grandi, où tu es. On s'en fout. Il y a plein des affaires pauvres. Même Messi que tu vois, il vient d'un quartier pauvre. C'est Messi aujourd'hui là. Personne ne veut savoir où il vient. On parle de l'essentiel. On ne veut pas savoir où tu n'avais pas la chambre, où tu dormais par terre. On n'en a rien à foutre. Où vient le Mbolé? Là, c'est là où on voit que tu ne connais même pas. Tu es nul. Et c'est là où on commence à regarder que peut-être les Kankambo ont raison, que tu as volé leur bit. Ça, c'est... Oh, mais bon, au lycée, et pas au lycée. Comment voilà. J'en fais à l'école et... Qui a demandé ça? Le mouvement que les jeunes faisaient... C'est comme ça que moi aussi, mes filles, une fois que. Et maintenant, quand je me fais que tout le monde me vole, je suis le meilleur animateur du quartier. Voilà. Donc, c'est pas le. Que le Mbolé là, il est parti de son village. Il est arrivé à Yaoundé, à Efoulan. Il veut que sa mère pouvait pas payer la chambre de 10 000. Tout d'un coup, elle a réussi à payer la chambre de 10 000. Et puis, il est devenu le meilleur animateur des deux du quartier. Un petit soule comme ça. Mon petit. Le camembert là, que ça dérègle un peu ton cerveau. Tu te remets là, tu vois, non? Je suis sur toi en tas, comme les Ivoiriens disent. Tu vois? Calme-toi. Que, lui, ils sont partis et tout. On a demandé que le Mbolé, le concept Mbolé, ça sort d'où? Prépare-toi. On n'a pas demandé où tu as grandi. On s'en fout. On va à l'essentiel. Vends-toi. Mon petit, l'essentiel. Tu viens là pour expliquer que ta mère... Qui a demandé si ta mère payait la chambre de 10 000? C'est toi qui viens nous dire sur Facebook que ta mère dormait dans une chambre de 10 000. Qui a demandé ça? Maintenant, tu nous mélanges sur Facebook que tu étais le meilleur animateur de au quartier. Qui a demandé ça? Mbolé, c'est le fait d'animer au quartier entre là, les... Là, Mbolé, ce sont les animations des vieilles. Quand quelqu'un meurt, ouais. Vous partez... Voilà, c'est ce que tu devais dire au début. Traditionnel, quoi. Okay. À l'anniversaire, dans les anniversaires, on peut t'inviter, tu peux chanter. Voilà ce qu'on t'a demandé. Il y a le djembé, donc vous tapez, il y a ceux qui tapent les mains. Moi, j'étais dans le chanteur, surtout que j'avais une grosse voix. Donc, quand je chantais, c'est tout le monde qui disait, c'est moi, oh, happy, oh, mais... Un peu comme ça. Ouais. J'ai grandi avec ça et...
tape, tape, elle est sortie comme ça. Je te rassure. C'était ma première fois de partir au studio, je n'étais jamais parti au studio. Tu as toujours une grosse voix et on peut confirmer, Fabébi est également avec nous, même si on aurait dû ouvrir l'émission. Donc, il dit que il a une grosse voix et que c'est venu comme ça. Mais je voudrais bien que vous écoutiez une dernière partie. Et puis on va avancer. Son dernier single, c'est pendant ou uniquement après, ou tu fais les deux, et tu nous diras ce que tu penses de ce que nous avons fait. Elle écoute. Oui, elle écoute. L'interprète ou des interprètes. Donc, lui là. Français. J'ai mis le moulin. Lui là. Il dit que quand Camboy là. Ils l'ont combattu. Et lui n'a aucun problème avec eux. Et je tiens à vous faire écouter ça, cette partie. Appié est très insolent. Il doit arrêter ça. Monsieur, venez à Lomboul en France. C'est pas tout le monde qui vient à Lomboul en France. C'est un tabou ça. Il dit qu'il est venu avec Lomboul en France. C'est pas tout le monde qui vient avec Lomboul en France. Mon petit. France là, on t'a dit que tu vas déplacer, tu vas porter la tour Eiffel, tu vas arriver avec chez toi. Mais il faut te calmer. Tu es très arrogant. Tu penses que les Michael Jackson ont ouvert la route. Ils ont fermé pour les 50 Cent et tous les autres. Qui t'a dit que tu es le premier à venir avec Lomboul? Tu es le premier que peut-être Lomboul a porté haut. Mais tes collègues ne sont pas les nuls. Il y a ce qu'on appelle la chance dans la vie. Faut te calmer. Tu peux parler comme ça. Faut parler très bien de tes collègues. Au contraire, tu dois être humble. Parler bien. Tu es très arrogant quand tu parles. Justement, Happy, moi je voulais vraiment avoir ton avis sur cette question parce que vous êtes nombreux à revendiquer le concept Mbolé au Cameroun, notamment les Cancamboy avec qui tu as été en clash. Moi je voudrais savoir aujourd'hui qu'est-ce qui te distingue d'eux et qui fait en sorte que quand on parle de Mbolé, on pense à Happy directement et pas aux autres. Bon, quand on pense à Happy, c'est parce que j'aime mis le Mbolé. Bon, je suis venu à Mbolé en France, c'est pas tout le monde qui vient à Mbolé en France. C'est un tabou ça. Il dit que. Il est venu avec Mbolé en France. C'est pas tout le monde qui vient avec Mbolé en France. Mon petit, tu es trop arrogant. C'est pour ça que tu es rentré de Paris, tu as mangé le manioc, tu as constipé ton cerveau, mélangé avec le camembert. Ça veut dire que tu niques tous les artistes camerounais. Mon petit, tu niques tous les artistes camerounais. Tu es venu avec Mbolé. Mbolé, c'est quoi? Ça dépasse quoi? C'est Mbolé là. Tu es venu ici parce qu'il y a les promoteurs qui veulent te porter. Tu sais qui était avant toi? Tu sais qui était avant toi? Il y avait un artiste là qu'on aimait beaucoup, qui a chanté pour l'unité nationale. C'est lui qui est venu au même moment que toi. Malheureusement pour lui, il est venu quand tout était un peu un genre. Toi là, tu n'es rien. Tu vois? Tu es trop gonflé. Tu parles mal de tes collègues. Quand on vient sur une grosse radio, on valorise ses collègues. On parle de son concept. On vend le concept. Parce que Dieu t'a ouvert la porte que peut-être d'autres n'ont pas. Mais toi, tu dois être un porte-flambeau de votre rythme. Donc tu vends pour tout le monde et pour toi-même. Tu ne viens pas dire que oh, je suis. Tu n'es rien du tout. Rien. Je te parle. Petit Beaux-Arts. Le petit est là. C'est un petit qui a très bien travaillé. Mais on le voit, il est discret, il est posé, il est respectueux. Petit Beaux-Arts là, s'il est encore en Europe là, je vais le rencontrer. Je fais ça, je vais m'arranger pour qu'on l'invite partout. Et tu sais que je suis capable. Mais toi là, tu viens parler comme ça là, avec ta large gueule là. Tu es venu, tu as fait 5 dates, tu es rentré. Il y a plus de 150 promoteurs dans la diaspora. Pourquoi tous ne t'ont pas contacté? Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. En temps normal, tu devais être même encore en Europe. Parce que tu es surbooké. Quand tu es surbooké là, on te prend en Europe, on prolonge ton visa. Parce que les gens qui te gardent, ils prolongent ton visa parce qu'on va montrer encore qu'il y a encore 10 dates.
on te prolonge le visa. On paye une amende. Tu es venu, tu t'es promené, tu es rentré. Et tu sors, tu dis, je nique tous les artistes camerounais. Tu n'es rien. Je te parle ça. Petit Boza, là, il te dépasse. Je dis ça, au calme. Que tu as amené le Mbolé ou tu as amené, qui t'a menti. Faut te calmer, hein, mon petit. J'ai parlé. Tu es trop fâché, là. Tu vas fumer le banga 10 fois. Bah, je suis le premier Mbolé à faire une tournée européenne. Parce que j'ai fait en France, en Suisse, en Allemagne, dans plusieurs pays. Et déjà avec tu es au Luxembourg le 25 juin, c'est ça? Ouais, ouais, j'étais au Luxembourg. Ouais. Et déjà avec les Cancan Boys. Ouais. Je vous ai montré la tournée du Luxembourg, il n'y a aucune photo. Quiconque. Je vous ai montré. Sur sa page où il était au Luxembourg, là. Aucune photo. Pourquoi tu m'as montré la photo où tu joues au Luxembourg? On t'a vu arriver, on n'a vu aucune photo de la soirée. Pourquoi il n'y a pas de photo? Parce que c'était poteau. Parce que quand c'est plein là, on met la photo, on filme. Parce que tu étais là-bas, zéro. Personne ne t'a calculé. Oui, il fallait montrer la photo. Tu as mis, me voici au Luxembourg, me voici parti. Où sont les photos? Où sont les vidéos de ta tournée, de ta soirée au Luxembourg? Zéro comme ça là. Petit connard. Ce sont mes frères du quartier, ça c'est. Ils ne discutent pas. Mais. Attendez, il parle de Cancan Boy. J'ai soutenu le petit si quand il parlait de Cancan Boy. Écoutez ça. Écoutez son arrogance vis-à-vis de ses frères de Cancan Boy. Un petit parvenu comme ça là. Du quartier, ça c'est. Ils ne discutent pas. Attendez. Je vais ajouter. Mais ils sont mes frères du quartier. Donc il n'y a pas de problème. En France, en Suisse, en Allemagne, dans plusieurs pays. Et déjà avec. Tu es au Luxembourg le 25 juin, c'est ça? Ouais, ouais, j'étais au Luxembourg. Ouais. Et déjà avec les Cancan Boys, ouais, ce sont mes frères du quartier, ça c'est. Je ne discute pas. Mais, dans les animations au quartier, ils étaient au moins 32. Quand il dit clan 2, ça veut dire qu'ils étaient vraiment équipés, qu'on dit qu'une équipe d'animateurs. Mais quand moi j'arrivais derrière, tout le monde était mal à l'aise. C'est pas plus, je savais pas pourquoi. Regardez comment il parle de ses collègues dans une interview. Il dit que les Cancan Boys étaient 32. Lui, donc que quand Michael Jackson arrivait, les gens étaient mal à l'aise. Ses collègues artistes étaient mal à l'aise. On peut être arrogant comme ça. Mais mon petit, il faut un peu être humble. Il faut parler bien de tes collègues. Tu n'es pas obligé de venir dire ces conneries-là. Qu'ils étaient 32. Toi, tu es arrivé là comme Michael Jackson. Quand tu es arrivé, tout le monde était mal à l'aise. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui, là, petit? Tu es rien du tout. Que quand Cambo était 32, quand tu arrivais, c'est Happy qu'on voyait. Mais Happy, tu te prends pour le nombril du monde. Tu te prends pour le nombril du monde. Tu n'es rien du tout. C'est pas parce qu'on n'a pas, on a vu ton interview, on n'a pas voulu parler, on n'a pas voulu décortiquer parce qu'on ne voulait pas te mettre mal à l'aise. Mais comme tu as jeté tous les artistes camerounais, je te décortique au calme. Et puis ça ne chauffe pas. Que quand Cambo, ils sont les zéros, quand tu arrivais, tout le monde était mal à l'aise. Que tu es qui? Tu n'es rien. Tu vois? Quand Cambo là, si on regarde même, tu as volé le son de Cambo. Moi, il dit ça aujourd'hui. Ouah! C'est quoi ces histoires? Faut respecter tes collègues. Hein? Tu es tous les artistes camerounais là. Parce que on te supporte, on te parle avec moi là. Mon petit, tu étais ici là. Sinon là, on voulait que tu fasses même 10 dates, on allait faire. On appelle nos collègues que mettez-le. Tu es venu là, tu as fait 5 petites dates là. Tu es rentré manger. Comment tu manges le manioc là-bas? Si tu étais un grand artiste, tu serais encore ici là. Mais comme tu n'es rien, zéro, tu es venu te promener comme grand baraque. Ouais. Oui. Tu es venu te promener comme grand baraque. Grand baraque a fait la même chose. Hein. Il est en train de souder le fer là-bas. Ok? On dit que tu as 250 millions. Non? On est assis ici. Quand tu seras malade, on va nous appeler. On est assis ici. On a dit que la baronne, pardon, il faut nous aider. Dit que Happy est malade, il faut cotiser. Son baron, on a cotisé, c'est l'État. Tu as dit que tu as 250 millions.
quand tu seras malade, là, nous, on va poster que tu as dit que tu as 250 millions. Personne ne va donner quelque chose. Et puis, je ne chauffe pas. Il faut te calmer. Que Cancan Boy, quand tu arrivais au deuil, ils étaient très mal à l'aise. Ils étaient 32, ils étaient ceci. On peut parler comme ça de ses collègues. Mais un peu d'humilité, mon petit. Un peu d'humilité. On peut parler comme ça. Hein? Il dit que grand Barack là, il était en France, comme toi. Il est rentré, il fait le fer. Il est même rentré, même au village là, on l'a chassé, Mayaoundé, il est parti au village. Tu vois, non? Faut te calmer. Petit plaisantin. J'ai parlé. Mais à la fin de chaque animation, il y avait toujours des disputes. Mais le peu d'argent que moi j'avais, moi je ne gérais pas, je rentrais à la maison. Et tout ça, c'est la jalousie. Mais je ne veux pas trop entrer dans la polémique, mais ils sont mes frères du cas. Il dit que les Cancambos sont jaloux de lui. On peut dire ça. On peut dire ça de ses collègues dans une radio internationalement écoutée. Mon petit, tu connais la diplomatie. C'est là où moi, son manager, là, devait lui parler. Diplomatie. On est diplomate. Même si tu sais que les gens te jalousent, tu es diplomate. Ngué. Cancan Boy, ils étaient 32, quand j'arrivais, c'était seulement happy, et puis on donnait l'argent, ils se baladaient. On parle comme ça, petit plaisantin là. Zéro comme ça. Tu es nul. Communication, hein? Zéro quiconque. Ok? Toi, tu es un zéro. Il a dit ça. Bien. Donc, si tu viens même sur moi là, je vais te parler avec le fer. Tu vois, je te décortique, c'est toi qui parles. Je décortique. C'est pas que je suis allé prendre ce que moi ai dit. C'est toi qui parles. On voit, c'est là où on voit que tu es nul. Zéro. Faut venir là, moi, et te forme. Petit, tu t'assois là. Tu prends caméra, tu présentes tes excuses à tous les artistes camerounais. Tu ne peux pas t'asseoir parce que tu es venu te promener aux Champs-Élysées. Tu niques tous les artistes camerounais. Tu ne peux pas niquer les artistes camerounais. On fait pas ça. Tu vois. Je te dis ça. Tu vois, non, mon petit. Celui qui te parle là, t'a menti. Si tu veux rester sur cette terre-là, tu vas pas t'en sortir. Et je vais m'arranger pour que tu présentes tes excuses aux artistes camerounais. Demande à tous les artistes là. Je parle pas beaucoup. Je vais te bloquer ici en Europe, tu vas voir. Faut t'excuser auprès de tous les artistes camerounais là. Sinon, moi, je vais te bloquer ici en Europe. Et tu ne sauras même pas où ça vient. Il faut te calmer. Tu ne peux pas insulter tous les artistes camerounais. Ça ne se fait pas. Respecte tes collègues. Respecte tes frères. On lutte pour la musique. On lutte pour ça. On lutte pour que tout le monde... Tu peux avoir un clash avec un artiste. Tu ne veux jamais entrer dedans. Mais quand tu insultes toute la culture, tu sors. Tu vois? Si tu insultes que ton collègue, je m'en fous. Je ne veux jamais entrer. Jamais. Mais quand tu insultes toute la culture, quand tu dis que tu niques tous les artistes camerounais du game, ça veut dire que tu mets mon père petit pays, tu mets Grace Deka, tu mets Charles Dipanda, tu mets tout le monde, mon petit. Même si on parle de la nouvelle génération, tu mets Ténor, tu mets Mani Bala avec qui tu as fait le feat. Tu mets Salatier, tu mets Mister Léo, tu mets Sissoul, tu mets tous ces jeunes-là. Tu mets tout le monde. Tu les niques. Pourquoi? Ils t'ont fait quoi? Mon petit, tout est. J'ai vu ta biographie. Tu n'es rien du tout. Hein, mon petit? Voici ta biographie. Voici ta biographie. Tu as sorti deux sons qui ont marché. Voici ça. Tu as sorti Tchap Tchap. Tu as sorti Tchap Tchap qui a marché. Et ton feat avec Mani Bala. Reste, tu as fait 7 featuring. Tu as fait Happy, Dieu merci. 73 000 vues. Pas beaucoup, hein, mon petit. Tu as fait La joie du Mbolé.
380 000 vues. Happy de Fulane, maman, 294 vues. C'est celle qu'on a dit que tu as plagiée là. Tu as fait On est tous ensemble. 79 000 vues. Tu as fait plus de 10 feats. Non. Combien? 7. Team Fit Happy. Lucky Luke plus 2 plus Affi. 60 000 vues. Kim Koum. 11 000 vues. Thai Boy. Donc, tous ces artistes avec qui tu as fait les feats là, tu les niques. Tu les niques. Mon petit, faut te calmer. On va finir. Donc, il n'y a pas de problème entre non, toi non, moi, et moi. Je ne sais pas s'ils ont le problème avec moi. J'avais toujours des disputes, mais le peu d'argent que moi j'avais, moi, je n'irais pas. Je rentrais à la maison et tout ça, c'est la jalousie. Mais je ne veux pas trop entrer dans la polémique, mais ils sont mes frères du quartier. Donc, il n'y a pas de problème entre non, toi non, moi, et je ne sais pas s'ils ont le problème avec moi, mais quand à un moment, je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et je n'ai jamais eu le problème avec eux. Et ils ont voulu faire, je ne sais pas s'ils voulaient actualiser le buzz, mais on m'a toujours posé la question dans les médias, mais. J'ai toujours répondu que je ne fais pas la polémique, j'allais tout pareil. Reste comme ça, sois comme ça. Le gars se prend que on m'a toujours posé des questions dans les médias. Ça, c'est sur sa page. J'ai toujours répondu que non, je ne fais pas les polémiques. Gna, 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 gna. Mon petit, j'ai rien. On va lire la sortie de ton manager. Ton manager, diplomate, voilà ça. Nous allons lire. Je vais lire. Tu es mon artiste. Je suis ton manager depuis la toute première fois que tu as touché un micro pour un showcase jusqu'à aujourd'hui. Je n'aurais jamais souhaité arriver avec toi à ce niveau, mais à comportement de mouton, réaction de berger. La prochaine fois que tu fais un post pour insulter quelqu'un ou pour manquer de respect à un acteur du secteur culturel camerounais, je vais te priver de tous les réseaux sociaux que j'ai créés et qui portent ce nom que moi-même je t'ai donné. Ton manager qui parlait, pardon. Tu me respectes uniquement parce que c'est moi la vraie source des revenus. Hey! Ton manager dit que tu n'es rien sans lui. Ah, puis j'ai enlevé mes lunettes. Le toucher, ça cuit. Que tu n'es rien sans lui. Que tu es zéro. C'est le manager qui a dit ça. C'est moi qui crée 100% d'argent qu'on gagne et 99% de rationnel que tu as. Ton manager dit que c'est lui qui crée 100% d'argent qui entre dans ta poche là. Donc tes promenades là, c'est ton manager. Et 99% de tes relations que tu te promènes là, c'est lui. Lisons. Si ce n'était pas ça, c'est que tu m'as déjà manqué de respect sur les réseaux sociaux parce que tu crois que tu es arrivé. Ton manager me dit que tu es dans les biandis. Tu es dans le manque de respect. Voilà le poste. Nous, on est assis par terre. Parce qu'on dit que tu es mal élevé. On dit qu'on parle mal. Mais voilà ton manager. Le manager, c'est celui qui vit avec toi tous les jours. Qui marche avec toi. Qui dort avec toi. Qui vit avec toi. C'est lui qui dit que tu es un wow. Il l'a écrit, il l'a fait la propre. Et puis ça ne chauffe pas. Ah oui, 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 oui. Lisons, on va lire. Pian. Le jour où tu fais encore un post comme celui que tu as fait sur la page officielle ce matin, je t'assure, ce sera ton dernier post. Et priez de le supprimer très vite même. Tu peux le supprimer, mais je te laisse le faire. Je peux le supprimer, mais je te laisse le faire. Si tu ne le supprimes pas, il restera là et tu verras la suite. Ton manager te menace. Pian. Il dit que si tu ne supprimes pas le poste que tu as dit que je nique tous les artistes camerounais là, il ne supprime pas. Et il va voir. Tu vas voir ce qui va arriver. Que c'est lui qui amène. Si vous avez 100% de revenus, 99% c'est lui qui amène.
et que tous les Yannick Noir que tu as parti saluer partout là, partout tu es parti chanter chez les politiciens là, partout tu es parti chanter partout les Orange ou les NTM là, c'est lui. Et que si c'est facile, ferme ça. Et puis ça chauffe pas. Ah, c'est ce qu'il a dit. Hein? Ah, voilà le poste. C'est encore sur sa page. Diplomate, bon chic. Ton manager. Il a écrit ça bien. On va lire. C'est pas moi qui écris. Quand vous êtes au quartier et qu'on vous sort de là, vous ressortez les vraies personnes que vous êtes. C'est le manager qui a dit. Happy, tu étais à Efoulan là-bas, tu marchais à pied, la poussière pouvait te tuer. Tes babouches étaient percées. Tu as supplié partout. Personne ne t'a vu. Il est venu te prendre. C'est lui qui a dit ça. On était là. Moi, je ne te connais pas. Il t'a vu avec Tchap. J'étais même vu quand on. Quand Kambo a dit que tu as volé le sang. C'est là-bas que il t'a remarqué. Parce que. Quand on a dit que tu as volé le son, j'ai mis le but des Cancan Boy. C'était quand même un peu lent. J'ai mis ta balle, ça donnait. J'ai dit que bon, vraiment, peut-être que le petit chien a raison. Parce que ta paix est sortie avant. C'est pour ça que tu es soutenu. Ton manager dit qu'il est parti te prendre dans la poussée au quartier. C'est pas moi qui ai dit, c'est ton manager. Il marche avec toi. Il dort avec toi. Il vit avec toi. On était là. J'ai dit ce que ton manager a dit. Quand il dit que tu es arrogant, on dit que j'aime à parler. Je parle trop. Ça là, c'est ton manager qui a dit. J'étais là. Oui. C'est ton manager qui a écrit. Donc ce que je dis là, c'est vrai. J'ai enlevé les lunettes pour faire la différence. Tu vois, non, mes yeux sont jolis pour faire la différence. Pour qu'on ne dise pas que j'aime à parler. Maintenant là, je lis ce que ton manager a mis sur la page officielle. Ah, mon frère. Donc, ton manager dit que tu es arrogant, suffisant. Que quand il partait te chercher dans la poussière là, tu dis là que, grand, ouais, aide-moi. On se connaît, on vous connaît. C'est là qu'on ne parle pas des artistes. Moi, je ne suis pas là pour cracher les autres artistes. On connaît qui on a fabriqué. Quand vous venez sur la supplier là, oui, grand frère, pardon. La poussière ici, jusqu'ici, là, avec les tchantous. Ce sont les tchantous. Vous voyez les chaussures percées là. Ils sont là. La poussière les a tués. La chemise blanche est devenue orange, grise. La souffrance de ça. Vous les suppliez. Mais dès que la lumière vous touche, vous perdez le repère. Voilà ton manager qui dit que. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Lisons-le. Voilà ça. Son titre est là. Et sur sa page, hein, il s'appelle Diplomate. C'est ton manager. Il a dit, disons encore. Happy, faut te calmer, mon petit. Manager, je vais te parler après. Quand vous êtes au quartier et qu'on vous sort de là, vous ressortez les vraies personnes que vous êtes. Sache donc que tu risques de retourner au quartier quand je vais vouloir. Oh. Voilà, elle dit que puis ton talent de Efoulan là, ça s'arrête à Efoulan, maximum, ça prend un peu Damas là, parce qu'on connaît un peu Yaoundé. Ton manager dit que ton talent là, ça s'arrête à Efoulan, là on charge les bus de doigts là. Maximum Dakar et tout là, ça s'arrête là. Donc même Yaoundé, tu ne couvres pas. Si c'est fâche, il te ramène les flancs, tu peux chanter dans les deuils là-bas et puis ça ne chauffe pas. C'est ce qu'il a dit. Oui, il a dit ça. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes venu se vous promener à Paris. Vous êtes venu vous promener à Paris là. Qu'il a oublié où tu viens. Mais s'il se fâche là, il te ramène, il ferme tes bagages, il te redépose les flancs. Maximum, tu as dépassé Damas et tout là. Ça s'arrête là, il te ramène au quartier. Tu vas continuer à faire les deux. Il y a beaucoup de gens qui vont au Cameroun. Non, tu n'as pas. Tu n'as pas chômé. Même Grand Baraka est parti souder les fers. Il y a quoi? Ça, c'est compliqué. Il dit que
conduis ta grand-mère là. Ta mère, il te redépose les foulards. Tu restes là-bas. Tu continues à animer les deuils. Grand-mère qui est parti ressouder les feuilles ou quoi. Il s'est promené en France comme toi. Il était ici là, le froid, le tuer. Il faut aller revoir les vidéos sur YouTube. Son oreille était collée quoi. À cause du froid. Il a pris la chance, il est venu en hiver. Le frère, il est fini, le vieux père de Druy. Comme Tifa, il n'a pas de sentiments. Lui, dès qu'il a vu l'occasion, il a amené le vieux père. Il ne peut pas dire que mais le père, s'il ne connaît pas l'hiver, il attend d'abord. Tifa dit que mon fils a l'occasion, allez, dans l'avion. Fium, il a amené. Le vieux père a souffert jusqu'à. On finit le lit. Il dit que si tu l'énerves, il te ramène à Fulan, il pose là-bas. Et puis ça chauffe pas. C'est écrit. Voilà sa page. Tu n'as pas bien lu. Comme tu as dit que tu as raté le bac là. C'est sur sa page. Tu ne comprends pas bien. Tu passes sur Bimster. C'est ça. C'est écrit dessus. Voilà ça. Le texte est long, bien précis. Et la partie qu'il a dit qu'il t'amène au quartier, c'est écrit en gras. Il est fâché, il dit que tu le mets, il te ramène au quartier, c'est écrit en grand. Il a dit que quartier en grand, et puis ça ne chauffe pas. Donc continue ta grand-mère que tu as chuté les artistes là. Bon, mon con. Le jour où tu fais encore un poste, le pire c'est que le manager a confirmé que c'est Happy qui a écrit le poste pour insulter tous les artistes camerounais. Vous voyez, non? Moi, au début, je me dis, vous savez que les artistes disent que c'est le community manager. Donc, on peut même poser ça sur quelqu'un, là, on reste tranquille, parce que généralement, les pages des artistes, là, il y a souvent 4 ou 5 personnes qui gèrent la page. Bon, maintenant que le manager officiel a dit que c'est appliqué à insulter ses collègues, on peut nier encore. C'est tout. C'est confirmé que c'est lui qui insulte ses collègues. Il insulte tous ses collègues de la musique. Donc, Happy doit seulement s'asseoir et demander pardon à ses collègues. C'est tout. Son manager a dit que c'est lui qui a écrit ça. Que le jour que tu fais encore un poste comme ça pour insulter les acteurs de la culture. On peut faire ça. Happy a dérangé. Son manager a dit que c'est lui qui a écrit ça. Donc, je lui demande officiellement s'il ne veut pas déranger de présenter ses excuses à ses collègues. Et je dis, je prends ici ses collègues à témoin. Chers collègues artistes, Happy fait ça pour le buzz. N'oubliez pas, Happy fait juste le buzz pour exister. Vous vous rappelez quand il a sorti son maman. Il est allé voler le son de la fille qui était à l'est là. Par contre, il avait demandé à la fille. Ils ont fait le buzz comme s'il avait volé pour exister. Après, vous avez vu que c'était un buzz. Vous comprenez? Quand Camboy, on l'accuse. Un artiste peut pas se faire qu'on l'accuse de vol. C'est pas bon. Il doit créer. Donc, il fait ce son parce que le buzz qu'ils sont en train de créer là, c'est pour vous annoncer un son qui parle des insultes dans quelques jours. Je demande à tous les artistes camerounais de réfléchir. Si dans quelques jours, Happy sort un son qui parle des insultes, ne partagez pas ça parce qu'il vous insulte dans ce son. Soyez humble, soyez juste. N'acceptez pas qu'un artiste surfe sur le buzz pour exister en vous insultant. N'acceptez pas ça. Aucun artiste ne doit accepter de se faire insulter. Quand vous sortez vos sons, vous n'insultez pas pour sortir, vous annoncez votre son et vous la sortez. Donc si Happy a fait un son, a fait ce buzz pour annoncer son prochain son, ne partagez pas. Laissez-le dans son buzz machiavélique. Ça suffit d'utiliser l'image des autres pour exister. Que Happy s'assoie, il présente ses excuses à tous ses collègues, même les derniers. Du mollet. Tu ne peux pas t'asseoir, tu niques tous tes collègues. Ça ne se fait pas. C'est incroyable.
donc chaque artiste doit pas partager ce son qui va sortir parce qu'il veut exister en faisant le buzz et en insultant les autres artistes. Je refuse ça. Je refuse la facilité. Je refuse que les artistes veulent se calquer pour exister en insultant leurs collègues. On ne doit pas accepter ça. Si on accepte sur Happy, les autres feront la même chose. N'acceptez pas ça. Que chacun mérite la place qu'il a par rapport à son talent, par rapport à sa façon, par rapport à ce qu'il apporte à la culture, pas en insultant ses collègues. Donc chaque artiste qui partagera le son de Happy, parce que il sort un son en insultant, accepte que Happy l'a niqué. C'est ce que je voulais dire. N'acceptez pas qu'on vous utilise pour le buzz. Parce que vous, quand vous sortez un son, vous ne faites pas le buzz pour faire sortir un son. Vous annoncez le jour que votre son sort, c'est bon, ce n'est pas bon. Vous continuez à travailler. Si Happy est trop fâché, qu'il a en studio travaillé. On l'a toujours accusé, mais il faut qu'il fasse les efforts pour être un grand garçon et travailler. Voilà. On finit de lire la sortie de son manager. Le jour où tu fais encore un post comme celui que tu as fait sur la page officielle ce matin, je t'assure que ce sera ton dernier post et prier de le supprimer très vite. Même, je peux le supprimer, mais je te laisse le faire. Si tu ne le supprimes pas, il restera là et tu verras la suite. Quand vous êtes au quartier et qu'on vous sort de là, vous ressortez les vraies personnes que vous êtes. Sache donc que tu risques de retourner au quartier quand je vais vouloir. On ne peut pas être inconscient jusqu'à ce point. Vous croyez même que vous êtes star plus que les qui? C'est son manager qui écrit ça. Hein? Le manager de Happy. Il a parlé fort. Premier et dernier avertissement parce que j'étais déjà trop protégé. Merci. Son manager dit qu'il le protège déjà trop. Donc moi, je vais dire ici une chose. Le manager de Happy aussi, qui s'appelle Diplomate. Excuse-moi. Un moment, un manager doit être très fort. Diplomate, si tu es le manager de Happy, tu as raté ton job. Tu le dis. Tu es manager, tu viens reprocher ton artiste à moins de vision. C'est simple, tu vas sur sa page, tu effaces ce qu'il a écrit et tu lui parles en interne. Ce que tu as fait là montre que Happy est incontrôlable. Happy n'est pas un artiste qui vaut la peine. Le post que tu as fait montre que Happy ne respecte personne. Donc, au moment, ça montre que soit tu es un bon manager, soit tu es un mauvais manager. Et pour moi, le post que tu as fait montre que tu ne contrôles pas Happy. Tu ne fais pas ton job comme il faut. Donc, soit tu parles fort à Happy, il sort, il présente ses excuses à toute la grande famille de la culture. Soit tu le quittes parce que ce qu'il a fait, elle n'est pas respectable. Ok? C'est ça. Un artiste, un manager est là pour protéger son artiste. Ok? Voilà. Merci beaucoup. On a passé un bon moment. Je ne voulais pas être long. Là, on est à 21h39. C'était un peu long. Et merci beaucoup. Et je salue tout le monde qui a regardé cette vidéo. Et je voulais dire encore que Happy, tu n'as rien à faire que t'asseoir et présenter des excuses à toute la grande famille de la culture camerounaise. Quand tu dis que tu niques tous les artistes camerounais, tu niques tous les artistes, les Thai Boys, les Mani Bella, tous ceux avec les Lucky Plus 2, tous ces artistes avec qui tu as fait les filles, tu les niques. Ils ne t'ont rien fait. Donc, mon petit, redescends sur la terre et demande pardon à tes collègues. Ils ne t'ont rien fait. Tu n'as pas besoin de ça pour exister. Tu n'as pas besoin de ça pour faire la culture. Tu n'as pas besoin de ça.
Tu es venu ici en Europe, on a vu. Tu n'es pas grand, tu n'es rien. Je peux te le dire, mon petit. Tu n'es rien. Et si tu ne présentes pas tes excuses, je ne parle pas beaucoup. Assois-toi, tu demandes pardon à tes collègues. Tu, même si tu fais seulement un post, tu n'as pas besoin de sortir une vidéo, mais tu fais un post pour demander pardon parce que tu as froissé beaucoup de monde. Quand tu vas me suivre ton post, va lire les commentaires dans ta propre page. Les gens sont choqués de ce que tu as dit. Il faut faire attention. Quand on arrive à un certain endroit, on ne dit plus ce qu'on veut. Il faut faire attention. Respecte tes collègues. Tu as réussi. Mais tu, le pont que tu traverses, tu n'enlèves pas le pont parce que peut-être tu auras besoin de ce train, de ce pont pour retraverser la route. Ok? La baronne t'a parlé. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe vraiment pas. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Et j'espère que Happy Defoulane sortira dans quelques jours pour présenter ses excuses à toute la grande culture camerounaise. Tu ne peux pas niquer tes collègues. Non. Excuse-toi, mon petit. Tu sais, quand on s'excuse, c'est un signe de grandeur. C'est pas parce qu'on est faible, c'est parce qu'on sait qu'on reconnaît qu'on a fait une erreur. C'est pas parce que tu as mangé un peu le camembert en France, là, que ça va te pêtre. La France, là, il y a beaucoup qui sont venus plus que toi. On m'a dit que tu dis à tout le monde que tu as 250 millions dans ton compte. Au Cameroun, les banques parfois ferment, ils ne disent même pas à quelqu'un. Même si tu as 100 millions, ça disparaît. On a vu des gens plus riches que toi, là. Plus riches, mais ils ont été zéro. Un moment. Donc, un moment, il faut bien réfléchir avant de faire des choses, mon petit. Je t'ai parlé parce que tu es sorti très violent avec les artistes. Je te parle aujourd'hui, là. Toute humilité, avec respect. J'ai pas voulu te désinguer aujourd'hui parce que je pouvais le faire plus que ça. Tu t'en baignes, tu es rentré, mais tu peux venir en baignant encore plus grand et que nous on va t'aider à te développer plus grand en baignant. Mais si tu commences à insulter tes collègues, tu n'iras nulle part parce que, excuse-moi. Tu as du talent, peut-être, mais tu n'as pas tout. Je t'ai vu sur scène, tu n'es pas prêt sur scène. Tu es encore tout petit sur scène. Il faut encore développer ça. Il faut développer encore ta façon de parler dans les médias. Il faut développer ta façon de prendre les journalistes. C'est un travail qu'il faut faire. On t'a vu sur les journaux. Tu es nul, excuse-moi de le dire. Tu es très nul en interview. Tu es zéro, tu es comme au quartier. Ça là, on peut travailler ça. Que tu sois un des meilleurs quand tu vas sur les plateaux. C'est possible. Au lieu d'insulter tes collègues, travaille. Ok. Moi j'ai parlé, je ne parlerai pas deux fois. Soit tu fais bien les choses, soit je vais te combattre. Si tu insultes encore un seul de tes artistes, des grands, ils peuvent te montrer le chemin, je te combats. Avec force et dignité, et tu le sais. Je vais te combattre avec force, ici en diaspora. Et je le fais avec force. Tu ne peux pas insulter toute la culture, on te laisse. Ok? Je te dis ça. Avec beaucoup de calme. Mais je suis prête à te combattre. Si tu insultes encore un seul de tes collègues, tu n'as pas besoin de ça pour t'émanciper, pour faire de toi ton talent tchap-tchap. Tu n'as pas insulté quelqu'un pour être tchap-tchap. Tout le monde a dansé sans connaître même qui tu étais. Tchap-tchap s'est développé. Personne ne savait même où tu venais. Tu n'as pas besoin d'insulter tes collègues pour exister, mon petit. Développe-toi sans soi. Fais attention.
finir. Tu as très vite fini et très mal fini. Je te dis, pose-toi la question, en tant qu'artiste, tu es venu en tournée européenne. Tu as fait 5 dates, tu es rentré. Ton collègue qui est de ta même génération, qui est ténor, il est venu avant toi. Il est encore en tournée, je crois, jusqu'en septembre. Booké tous les week-ends. C'est ça qu'on appelle tournée. 3 mois, 4 mois pleins. Il est en Europe. Il est même parti au Cameroun, il est revenu. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Parce qu'il y a tellement de pays en diaspora. Il faut être capable de te vendre. Mais pas en insultant les autres. Tu ne peux pas t'asseoir, tu dis, il n'y a que les artistes camerounais du game. Ça veut dire pour moi, tu insultes un petit pays, mon père. Tu insultes Grace Deka, tu insultes Cathy, tu insultes Lady, tu insultes Mani. Même Mani Bella avec qui tu as fait les filles, les Thai Boys. Tous ces gars avec les Lucky Plus 2, avec qui tu as fait les... Prenons même les gars du Mbolé. Tu insultes les petits Malo, les petits Boza. Tu insultes tous ces gars qui t'aident. Mon petit, redescends sur terre. Vite fait. Là, tu exagères, fais attention. La baronne a parlé. Et puis, ça chauffe pas. Ok? Voilà. La seule et unique baronne de 6. Bonsoir à tous. À très bientôt. Bon dimanche. Merci. Quelqu'un m'a dit que j'ai des yeux doux. Et que j'ai des beaux yeux. C'est pour ça que j'aime pas montrer ça en caméra. Parce que je sais que mes yeux sont doux. Et c'est des beaux yeux. Je suis une femme naturelle, hein, belle. Hein. Je ne me vante pas, je suis belle. C'est pas un débat. C'est pas un débat. On dit que elle est pas jolie. Je suis belle. Je sais. Oui. C'est ça. On ne vole pas. Le terre est propre. L'enfant est propre. T'es beauté. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de filtre. C'est le corps de la baronne là. C'est le teint de la baronne. C'est vidéo directe sans filtre. T'es que filtre. Ah, j'aime maigrir. T'es que filtre. Mon gars maigrit. Le sport veut me tuer. Ah, c'est le moment de faire mon atalakou. J'ai fait mon atalakou. Qui va faire ça? J'ai fait mon atalakou. Et puis ça ne chauffe pas. Quand on est belle, on est belle. Et puis ça ne chauffe pas. Hein? Ouais, j'ai 46 ans. Voilà l'enfant de 46 ans. J'ai 46 ans. Avec les enfants. Regardez comment je brille comme si j'avais 10 ans. La mère là. T'es guéride. T'es que manqué de respect. T'es que na. Hein. Tout est là. Oh, ah. C'est pas un débat. 46 ans. Posé. Propre. C'est ça. Je crois que le blanc, il m'a épousé. Il a épousé une belle femme. Il sait qu'il a épousé une belle femme. Les doigts sont propres. Belles, jolies. Rien à voler. Toujours là. Rien n'est mélangé. C'est ça. Non, je cache mes yeux parce que si vous regardez mes yeux, là, vous allez tomber tous amoureux. C'est ça le problème. Je cache mes yeux là parce que mes yeux sont très doux. Si vous commencez à vous regarder avec les yeux doux là, si vous commencez tous à tomber amoureux, vous faites comment? C'est ça. Je cache mes yeux là pour que vous ne regardez pas. Quand vous regardez là, après vous allez dire que, hé, la baronne, vraiment, tes yeux sont jolis, on t'aime bien, tu es très belle, c'est que, ah mon cher. Après j'ai les problèmes. C'est ça. Tu es très belle, tu es très jolie, vraiment, tu vis bien. Ça c'est à la maison, c'est le côté jardin de la maison. Qu'est-ce qu'il dort dehors? On va dire que tu n'es rien, tu n'as rien. Qu'est-ce que... Bon, attendez.
Quand elle m'a parlé, elle m'a dit que oh, tu t'es vanté trop. Attendez, ça c'est la vue de chez moi. À 43 degrés. Voilà la vue. La Paris vit bien. Tu vis chaud. Est-ce que tu te vends de trop? Tu es quoi? Tu es ici? Ma vie chez moi. Travaille du tout ça. Les yeux là, les yeux revolvés là. C'est là. Voilà. Les yeux là. Ça peut tuer quelqu'un. Voilà. Les yeux propres. Tu caches ça là. Parce que quand ça te regarde là, tu as envie de sortir avec. C'est ça. Voilà les yeux là. Il y a un gars là qui dit qu'il veut me doter, il veut me faire 5 enfants. Il faut, pardon, aller sur ma page là, Destiny Barol. Vous dites à mon Cameroun là qu'il me fatigue. Le gars là dit qu'il veut me faire. J'ai déjà accouché jusqu'à mon ventre, je veux dire à maigrir. J'ai déjà accouché beaucoup. Le blanc là déjà fait les enfants, oh, la dernière a 18 ans. Donc c'est maintenant que je vais accoucher. Ma dernière, là, elle a 18 ans. Donc maintenant là. Le dernier enfant a 18 ans. Donc maintenant, là, je vais faire l'enfant. Où je suis là. Je n'ai pas encore fait l'enfant là. À 40, presque 47 ans. Je vais faire l'enfant. Pourquoi? J'ai 47 ans. Je vais faire l'enfant maintenant. Pourquoi? J'ai fait quoi? Je vais faire l'enfant maintenant. À l'âge ici là. Pourquoi? Pourquoi je vais risquer ma vie? Tu peux pas. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Ok, mes chéris. Voilà. Ça, c'est la maison. De ce côté, j'adore. Voilà. La vue, elle est belle, non? Je fais le monde à la retraite avec qui? Voilà. Donc, regardez, ça c'est la vue de la maison. Ça c'est la vue. Regardez comment c'est beau. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. On a passé une bonne après-midi. Voilà. Bon après-midi et puis à très bientôt. Bonne nuit. Je vous aime. Bonne soirée. Merci. Ciao, ciao. Attends, si tu ne veux plus d'enfants, mets toujours tes lunettes sur tes yeux revolvés. Non. Pourquoi? Je dis, moi, j'ai 40. Je vais à. Oui, j'ai 47 ans. Je ne vais pas faire. Ma dernière fille a 18 ans. Non, jamais. Je ne fais plus d'enfants, moi. C'est bon, là. C'est bon, non, 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 pas du tout. Hein. Mais non, 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 mes chéris, non, pas du tout. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée. Non, mon wife, il est malade. Allez, je vous embrasse. Bonne soirée.